un autre module en bonus. Il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et l'imaginaire. C'est pour ça que lorsque la loi de l'attraction est bien faite, avec l'imaginaire, le cerveau donc croit que nous l'avons déjà. Alors, notre cerveau ne fait pas la différence entre notre imaginaire et ce qui est réel. Et notre imaginaire, du coup, peut être donc parasité, c'est-à-dire que on peut avoir mis des limites dans notre façon d'imaginer les choses. Alors, on va demander exactement de la même façon, avec toujours le même protocole, avec le curseur. Mon imaginaire est limité à quel pourcent? Donc, je vous rappelle, le pourcentage, donc tout en haut, c'est à 100% et tout en bas, donc c'est à 0. Donc, toujours de la même manière, avec notre intention, bien mettre l'intention sur notre demande. Mon imaginaire est limité à quel pourcentage? D'accord? Donc, voilà. Donc, normalement, moi, bon, il est tout en haut quand je l'ai fait, d'accord, quand j'ai découvert ceci. Maintenant, forcément, je l'ai nettoyé, mais ça ne veut pas dire que dans quelques mois, il ne se retrouve pas en fait ici, d'accord. Donc, si vous, il est comme moi, il était tout en haut. Donc, vous, avec votre intention, je baisse le curseur pour nettoyer et que mon imaginaire donc devient à la norme et sans donc limitation. Voilà, mon intention est claire. Ensuite, toujours sur l'imaginaire, on peut avoir donc l'imaginaire négatif. Donc la même chose, hein, si je demande quel est le pourcentage de négativité de mon imaginaire, c'est-à-dire que bah, j'imagine toujours dans la négativité. D'accord? Donc hein, quel est le pourcentage de mon imaginaire négatif? D'accord? Donc logiquement, vu que moi je le sais, hein, c'est toujours pareil. À partir du moment où on prend conscience, déjà notre cerveau fait un peu attention. Il ne va pas refaire les mêmes schémas. C'est quand on est dans l'ignorance que ça se passe comme ça en fait, que voilà qu'on met en place des choses qu'on doit donc libérer à présent, d'accord? On peut aussi avoir l'imaginaire erroné. Donc de la même façon, on demande hein, quel est le pourcentage de mon imaginaire erroné. Donc hein, je répète, tout en bas c'est 0, c'est fait, hein, c'est bien. C'est à la norme et tout en haut, donc c'est à 100%. Bien sûr, vous, ça peut être au milieu. Alors je répète, si vous n'avez pas encore le ressenti, ce qu'on appelle le clair ressenti, eh bien, c'est pas grave. Vous imaginez qu'il est tout en haut et vous baissez le curseur, hein, d'accord? Il vaut mieux nettoyer, se libérer que d'avoir un doute. À force de le faire, le mental vous lâchera et vous allez ressentir en fait qu'est-ce qui se passe. Le bras, en fait, il y a comme quelque chose qui pousse, d'accord? Mais c'est super, c'est subtil, hein, c'est très léger. Voilà pour ce module. Je vous dis donc à bientôt et bon soin.